Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pardon, de Bloodborne vidéo numéro 5, il me semble, oui c'est bien ça. Aujourd'hui l'objectif sera d'essayer de tuer le papy Gascoigne, hein, qui m'a donné beaucoup de mal la dernière fois, malgré les seuls deux tries que j'ai pu faire sur lui. Du coup, alors c'est pas ça, voilà, faut trouver la bonne touche. C'est pas ça non plus, allez, on essaie la touche O. Bah, c'était pas ça non plus. Voilà. Du coup, j'ai pris la boîte à musique pour pouvoir, en fait, lui. C'est une espèce de quête. Hein, pour pouvoir le. Je sais pas. Je trouve pas mon mot. Pour pouvoir le stun, en fait, l'étourdir une fois qu'il se transforme en bestiole. La petite bébête. Enfin, la grosse bébête pour le coup. Donc, mon objectif, c'est de réussir à le tuer aujourd'hui. Essayer de le tuer. Parce qu'il n'est pas évident. Il n'est pas évident. Donc avant ça, on va aller voir si notre arme on peut l'améliorer. Est-ce qu'on peut? Eh ben non, pas de bol. Il nous manque encore 3 fragments de pierre de sang pour pouvoir la passer en plus 3. Et voilà, ça et 240 échos de sang, donc ça c'est vraiment rien. Ça non, je vais pas l'améliorer parce que c'est pas un truc qui me passionne. Le pistolet, franchement, je sais pas m'en servir. Voilà, bref, ça c'est dit. Il y a d'autres choses à faire. L'outil de l'atelier requis pour ça n'est pas disponible, donc c'est bien. Est-ce qu'on peut aller dépenser les non plus? Ah si, voilà, c'est là. La lucidité. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est obtenir des objets qui soient intéressants. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, y a rien, et bah c'est cool. À part les mixtures de sang, moi je propose qu'on puisse s'en acheter. On va en acheter 10. Voilà. Parce que moi, la lucidité, c'est pas un truc qui me botte. Parce qu'il faut savoir que plus il y a de lucidité, apparemment, après ce que j'ai compris, et plus ça sera difficile. Hein, donc, du coup, c'est pas ce que j'ai envie. Et là, aujourd'hui, donc, on va essayer le papy Gascoigne. Et il va nous faire certainement très très mal. Parce qu'il est difficile. Moi, je le trouve très difficile en tout cas. D'ailleurs, j'ai trouvé aussi le premier boss très difficile. La bête claricale. Même si je l'ai eu au bout de 2 tries, je ne l'ai pas trouvé simple du tout. Donc, on verra celui-là. Hein. On va faire quelques essais. Et puis, on verra ce que ça donne. Voilà. Alors, donc on est sur le grand pont et il n'y a pas une porte dans le coin. Ça se trouve, je me suis gouré d'endroit. Ça ne m'étonnerait pas. Je sais même plus par où faut passer. Elle est bien bonne celle-là, non? Par où faut passer pour y aller? Je ne sais plus. C'est pas ici. Je vais réfléchir. Oh, c'est fort gênant ça. Ah, ça aussi c'est gênant. Aïe. Ouais, donc je sais plus par où faut passer. Ça m'embête bien. On va aller voir sous le là-dessous. Allez donc, calme s'il te plaît. C'est peut-être par là. Il y a peut-être quelque chose par là. À moins que là on arrive dans les faubourgs bizarre, bizarre. Là c'est le Pex Gratos. Aïe. Ça fait peur celui-là. C'est le Pex gratuit. Donc on prend. On va essayer de pas crever. C'est que c'est pas beaucoup de. Il y a un méchant là-bas. Voilà, allez, accoucher Médor. Donc, du coup, c'est pas par là. Ça serait surprenant parce que là, si on passe par là, on va dans les égouts. Mais c'est par là qu'il faut passer.
Sauf qu'il y avait un raccourci, mais je ne sais plus c'est par où. Je ne sais plus où il est. C'est fort ballot. On va essayer de se dépêcher. Après, une fois qu'on sera pas loin, on va regarder quand on va être en fait au niveau des trucs qui lancent la boule là. Vous savez, l'espèce de grosse boule. La boule en feu. Quand on aura trouvé l'endroit, ben on ira un peu à reculons pour essayer de trouver le bon endroit, justement, le bon raccourci. Parce que j'ai pas envie de me retaper toute la route là à chaque trail. Et vous non plus, j'imagine. Voilà, un petit coup dans le mur. Et un deuxième coup dans le mur. Ouais, parce que du coup, faut qu'on descende. Enfin, non, on va pas devoir descendre, on reste en haut. On va pas descendre en bas, on reste par là. Mais par là, il y a des fusillés qui font mal. Monter en l'air. Allez, sauve-toi. Ah, c'est quoi? C'est quand même pas qu'on va crever à cet endroit-là, quand même. Ce serait triste. Ce serait quand même triste. Bon, ça n'augure rien de bon pour le boss, hein. Parce que quand je vois la galère que j'ai eu pour le tuer. Ben bon, après, hein. On fait ce qu'on peut. Hein. C'est quand même plusieurs jours que je suis bloqué sur cet endroit-là. Ce serait bien que ça cesse quand même. Hein. J'ai pas envie de faire 50 vidéos sur le début non plus, hein, comme vous imaginez. Hein. Envie de faire donc c'est l'échelle là qu'il faut prendre. On risque de tomber. Bon, par contre sur l'échelle là on arrive au tout début du pont. On arrive au début du pont et du coup c'est embêtant. Ça se trouve c'est le seul chemin pour y aller. Ça serait ballot, hein. Que j'ai pas envie de. Le truc c'est qu'on va faire plusieurs trails, on n'a pas le choix parce que ce serait surprenant que je réussisse à avoir du premier coup. C'est très surprenant. Rien par là. De la chance. On a eu beaucoup de chance. Eh ben non, il n'y a pas raccourci. Donc c'est ça. Je me désole si je me trompe. C'est même pas par la route en plus, c'est même pas par là qu'il faut passer. Officiellement perdu. Et où ce foutu boss? Voilà. Quelque chose là-bas.
pas y aller. Donc en fait, faut qu'on passe par les égouts. Donc on passe par là. Comme les pompiers. Ouais. Ensuite, bon, on descend là. Hein. C'est bon, je m'en souviens. C'est l'échelle-là en fait qu'il faut prendre. On va aller tuer l'espèce de gros chacalette. Raté. Oh, qu'est-ce qu'il est gros. Oh, qu'est-ce qu'il fait mal aussi. Ah, t'as fini, oui. Tout ça pour ça. Donc, en gros, dans le coin là, il y a une échelle. Au fond, peut-être. Comme ça, on passe de l'autre côté du pont, puis on évite de se taper les. Les autres abrutis. Allez là. Ça en fait du chemin pour un boss, hein. Pute. Sont disputés, c'est bien, merci. La boîte à musique c'est carré pour l'activer. Hein. Ce serait trop ballot de mourir à cet endroit-là. Trop bête quoi. Donc on cherche s'il n'y a pas un raccourci. Non. Donc on récapitule. Il faut bien aller jusqu'au bout du truc là, le pont là, pas le choix. Enfin soit là, soit là-bas. Je vais voir juste au fond vite fait s'il n'y a pas un truc, une échelle ou quelque chose, à part l'échelle pour descendre. Dans les égouts. Parce que ça me chagrine de faire retomber. Désolé pour la sonnerie. Ça me chagrine de faire autant de chemin pour. Bah il y a l'ascenseur. Ah lol. MDR. Bah voilà, on sait maintenant. MDR lol, j'étais bien sûr. Mais c'est bien sûr. Il y a l'ascenseur. Alors, inventaire, truc de sang, là, il n'y a pas quelque chose, il m'en faut 8. Ah, il manque juste une. Comme c'est ballot. On va courir un peu. Je laisse admirer mon sanglant déguisement. En sueur de sang. Mais ça va pas durer parce que.
Bah, c'est dans Faux Officiel, j'ai mis un quart d'heure pour arriver jusqu'ici. C'est incroyable. Ah bah, on commence d'entrée, il désigne Paul sur les moyens. C'est quoi cette affaire? Moi je vais pas faire le coup là, moi. Voilà, moi je vais faire le coup là, moi. Moi aussi je suis tourbilol. Ha ha. Allez, viens. Ah, t'as mal, hein. Bon, ça fait un peu quoi, hein, de faire comme ça, mais j'ai pas le choix. Oh! Oh, le ouf! C'est un dingue, le boss, là. Voilà, change-toi en bête. Carré! Allez, sauve-toi. Carré! Non, non, non. Je veux pas crever. Je suis en stress là. Pouah, premier try. Pouah, là je suis chair de poule les gars là. Chair de poule. Ah puis un trophée en plus là. Pouah. Oh là 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 là. Eh, franchement, j'ai bien quardé sur le coup. Hein. Y a pas un petit truc là, un petit une petite lanterne là. Ah, c'est là, je la voyais pas. Lol, on allume la lanterne. Coup de briquet, elle est ancienne. Voilà. Ah, là, franchement, j'étais en stress. Hein, franchement, oh là 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 là, c'était hot, c'était chaud. Mais bon, hein, on l'a eu, les gars. Félicitations, merci de votre soutien. Ah, franchement, je pensais vraiment pas l'avoir. Hein. Je pensais pas l'avoir parce qu'il est assez chaud. Merci la petite boîte à musique de m'avoir permis de bien l'entamer. De bien l'entamer parce que bon. Mine de rien, avec le super coup qui va bien. Oh, j'en ai. J'ai ma migraine qui se réveille du coup. Franchement, là, j'en reviens pas. Je reviens pas à l'avoir réussi du premier try. Allez, fouiller le corps, une petite broche rouge, merci. Pas de chou sur le toit. Derrière ça, non. Il n'y a rien. Et là, il n'y a pas un truc qui brûle par terre. Non. Allez, donc là, je suis surpris. Surpris par mon coup de chance. C'est de la chance, hein. C'est pas du skill, hein, me concernant. C'est plus de la chance, hein. On a ouvert une porte. Ah ouais, là, j'ai eu des frissons là sur le coup là. Des bons frissons là, malgré qu'il fasse relativement beau à la maison. Ah ouais, là, franchement. Des frissons à l'ancienne. Bon, maintenant, du coup, il va falloir explorer tout ça. J'aurais peut-être dû. Si on va ouvrir une porte là-haut là. Ouais. C'est déjà ouvert. J'aurais peut-être dû la jouer safe en fait en allant en me faisant un TP. C'est quoi ça? L'araignée de Begenwert cache toutes sortes de rites et tient éloigné notre maître perdu. Quel dommage! Cela fait trembler ma tête de façon incontrôlable. Crotte de bique. Voilà, on a un petit coffre. Un petit coffre qui va bien, fouiller le coffre.
Outil d'atelier de gemmes sanglantes, ouais. Cool. Voilà, franchement, là, je suis encore tout retourné par notre prestation. Je vous laisse déguster la vidéo de cette porte qui s'ouvre. Faubourg de la cathédrale. Je crois que c'est là qu'il commence à avoir des trucs qui sont pas très catholiques. Ouais, c'est ça, voilà. Le genre de chacal là qui. Qui font mal, mine de rien. Plus en plus de vie, les mobs. Moi, je suis moins en moins fort. Et du coup, bah, je ne sais pas ce que sera le prochain boss. Hein. Parce que moi, le jeu, je connais pas, hein, pas du tout. Hein. Enfin, je connais pas. J'exagère parce que je regarde un let's play d'un gars qui. De. Comment il s'appelle déjà? Je vais retrouver. Il s'appelle. Lancelot Ocelot 666, voilà. Parce qu'il fallait bien que je sache dans quoi mettre les pieds. Hein. Et du coup, bah, je suis le gars. Bah, je regarde ses vidéos. Comme ça, je sais à peu près où aller. J'aime bien leur canne. Je la trouve sympa. Et ouais, donc je regarde la vidéo du gars, je disais, parce que moi je connais pas du tout le jeu, hein, vraiment pas du tout du tout, hein. C'est la première fois que je joue à un jeu de ce type, fermé par un mécanisme. Moi je sais pas comment qu'on y va, c'est quoi qu'on fait par ici. On va revoir dans la cathédrale du faubourg de je sais pas quoi là. S'il n'y a pas un petit. Ah, s'il y a une porte. Ouvrir la porte, ne s'ouvre pas, bah c'est cool. Bah voilà, fallait descendre. Donc pour info le machin bleu qui vient de passer là vite fait faut pas s'y frotter. Hein. Ça vous enlève de la vie inutilement. On sait bien d'observer un peu le jeu comme ça, de faire le tour. Ils savent pas à qui que c'est qui s'y frotte, hein. Et voilà toi. Reste au sol, va. Allez hop. Donne-moi des pierres de sang bidule, là.
On a besoin. Histoire d'améliorer notre arme. Je crois qu'il y a des clébards dans le coin. Ouais. Oh, les clébards, je les aime pas du tout. Clébard, il y a un fusil dans le coin là-bas, là. Donc, entre le clébard et le fusil, puis ceux avec leur hache et puis leur torche. Ah, on est bien, bien servi, hein. Avec la fourche aussi, là. Viens me fourcher, là, mon brave. Hop! Ah bah non, avant ça marchait en un coup. Non, c'est même pas un fusil, c'est un épéiste. Ça ne donne rien. Tout non plus. Ce qui est marrant dans ce jeu-là, c'est qu'on erre un peu à l'aveuglette. Parce qu'on sait pas trop. Il n'y a rien qui nous dit prends à droite, prends à gauche ou fais ci, fais ça. Il n'y a aucune indication. Je sais même pas comment rejoindre tel ou tel boss. J'en ai aucune idée. D'ailleurs, je sais même pas combien de vidéos ce let's play durera. Hein. Je sais que le jeu n'est pas non plus très très récent. Il n'est pas très récent, mais. On fait ce qu'on peut, hein. Je vois un petit rap, qu'est-ce qu'il y a? J'espère que c'est pas un boss. Ça pue le boss là-dedans. Non, il n'y a pas de boss là-dedans. Je me souviens. Et voilà. Gros chacal. Tu m'as pris pour un jambon ou quoi? Un jambon de Bayonne. Voilà, donc là on va faire le tour, on va monter. Il y a un truc à faire là-haut. En courant si possible. Allez, coucher Médor. C'est là, parce que comme j'ai déjà mal au crâne, et bah ça rajoute un peu de douleur. Hein. Ça fait un bien. Prends les bruitages. C'est vraiment pas rassurant. Mécanisme. Je sais pas ce que ça ouvre. Bah si, voilà, ça ouvre là. Ça ouvre ça. C'est cool. Peut-être un passage secret ou quelque chose. On va voir après. Ceci dit, faut pas aller voir trop non plus parce que on a 11 000. On a 11 000. Pas des âmes, mais des bidules trucs là. Et on va voir la fameuse quête qu'il fallait pas rater. C'est lui. Il faut lui parler. Donc on écoute bien attentivement ce qu'il va nous dire. Coopérer, bien sûr. Papier de feu, ouais, ok, merci. Prix, ok, ouais. Ok. Bah, bientôt, hein. Tu vas me dire?
Désolé pour la coupure. Donc du coup, excusez-moi, il y a une petite coupure au niveau de la vidéo. En fait, quand je suis venu parler à Alfred, c'était pile la coupure. C'est pas de chance. Donc là, on va aller voir ce qu'il y a en bas. Je crains toujours de tomber sur un boss là-dedans. Ça me rassure pas des masses. Franchement, c'est. Oh, j'ai un trophée! Oh, chouette! Oh non, non, non! Qu'est-ce que je les aime pas, eux? Ça jouait à la quoi? Raté. Faut pas rater par contre. Rapport homme à bête, allez viens. Hop. Bah voilà. Fragment de pierre de sang, c'est le fragment qui nous manquait. Alors donc on fait quoi maintenant, monsieur dame? On avance un petit peu ou on prend le risque. Parce qu'après il y a de la route, hein. Après pour remonter. Tentez bien de trouver un TP. Mais il n'y a pas de TP. Je casse tout, moi je suis comme ça moi. Là-haut. On descend. Ah parce que là je vogue en univers. Oh, il y a un TP là. Ça sentira pas le boss par hasard. On y va. Attends, on va. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est la touche bas. Moi je vais mettre quoi là-dedans? Je vais mettre quoi? Les piécettes on s'en fout un peu, ça on retire. Piécettes on retire. Des cocktails. Ouais, des cocktails. Du sang. Bon, du sang. Ouais, les cocktails en premier. Ensuite on va mettre du sang. Et papier de feu. Et de l'alu-feu. Alors, franchement, ici, ça pue trop le piège. Non, vous trouvez pas?
donc ça on a visité un petit peu. On va retourner sur, on va déjà ouvrir la porte. Il y a un mot dessus. On s'en fout, ils sont pas les bienvenus, on est des ouf, nous. Elle a l'air vraiment lourde cette porte là. Donc on est sur le vieux Yarniam. Yarniam. Yarnam. Donc on va prendre le TP. Hop. On retourne au rêve du chasseur, on fait ce qu'on a à faire et puis on se dira. Donc à la prochaine après. On va aller voir pour améliorer notre arme déjà. Et dépenser les points qui nous restent dans les petites choses affriolantes qui vont bien. Ah quand même, hein, 12 000. Pour 12 000, on s'est fait plaisir. Hein. Et en plus, si mes souvenirs sont bons, je suis pas crevé beaucoup de fois. Son intérêt. Couvre-chef de Gascoigne. Quel est l'intérêt? Fortifier l'arme. C'est celle-là, bien sûr. On va la passer niveau pas plus 3 du coup. On va gagner un peu. Oui. Puis là, bon, on fera. Autre fois. Et les restes, on va l'injecter dans. À moins qu'il y ait quelque chose à acheter là-bas. Il y a des armes qui ne m'intéressent pas. Elle est trop bon. Ça m'intéresse pas non plus. Non. On va en prendre bah, un. On va prendre trois. Voilà. Mixture de son, on a ce qu'il faut. Oh, ça c'est bien ça. Lanterne, moi j'aime bien. Parce que j'aime pas être dans le noir du tout. Voilà. Elle est où ma lanterne? Moi je veux la lanterne moi. Inventaire. C'est pas beau ça. Ça fait vraiment chasseur du coup là. Maintenant on peut aller dépenser ces trucs. Canaliser les échos. Alors là il me faut de l'enduit. Quoi? Mettre tiens voilà l'arnaque elle était si chère que ça là la lanterne t'as combien cette lanterne là c'est exagéré hein. Deux mille moi je pensais pas avoir autant de dépenser que ça ah bah si j'ai pris d'autres trucs des. Ouais, j'ai fait le fou. J'ai fait le fou, donc du coup, je vais avoir un petit niveau en plus. Comment sur l'endurance. Puis les compétences aussi, il faut monter pour être à peu près bien partout. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller faire vite un petit saut. Extrêmement rapide dans le truc du début là on va prendre le grand pont un rapide saut je vais remettre en route la vidéo hein. Je vais faire une petite coupure rapide parce que sinon je vais te couper en plein dedans ce serait bête et en fait juste pour faire 400 ou 500 âmes en plus 500 échos de sang pouvoir augmenter un chouï plus. À tout de suite.
Alors voilà, c'était rapide, hein. Donc du coup, en fait, on va faire juste 500 échos de en extrême vitesse, sans crever si possible. C'est pas mieux quand même de voir dans le noir, hein? Franchement, c'est-il pas beau tout ça? Moi, ce que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est l'ambiance quand même. Si je suis pas fan des jeux de peur, hein. On entend les chuchotements des mobs. Je trouve ça marrant. Dépenser mes rubis bêtement. Bon, allez, les petites gourmandises, on va aller faire ceux du bas, hein, parce que on m'a dit ceux-là ils sont triviales. Alors s'ils sont triviales, bon, on va faire ce qu'il faut. Oh, par contre, il tape fort, hein, quand même, il est trivial, hein. C'est abusé, ça m'aide de crever dessus. Le truc ballot quoi, crever là-dessus, mais bon, merci pour le lance-flamme, mon gars. Voilà, on retourne dans la vue chasseur. On a un lance-flamme en plus, c'est la classe. Ça le fait comme ça, ça fait une arme en moins à débloquer pour la suite. Parce que moi je veux le trophée de platine de Bloodborne, c'est la classe internationale. Un trophée à 7 sur 20 sur PSTHC. Ça ferait plaisir. Donc on va voir ce qui se passe. Dépêche-toi. Voilà, c'est 4900, ça rajoute de l'énergie. Ok, là ça rajoute à des dégâts de l'arme, c'est pas mal, mais bon, ça gagne 1. Alors là, la def, et là, la def aussi. C'est 4900 de points, ça fait cher. C'est où qu'on gagne le mieux? Alors ça, on gagne 1 en attaque, ou là, on gagne 2. Faire gagner un en compétences là. On va essayer de lisser en fait petit à petit les quatre points là, vitalité, endurance, force et compétences. Donc là dans un premier temps on va monter les points de compétences. Je sais pas du tout c'est quoi le max. Donc on monte les points de compétences et ensuite bah, pour rattraper le 17 quoi. Pour avoir 17 en enduit et puis 17 en compétences. Comme ça on sera à peu près bien. Voilà. Bah, c'était tout pour aujourd'hui, hein. Et c'est déjà pas mal. Avec ma petite lanterne, donc du coup on a bien bossé, on a bien joué, on a bien avancé, on a tué le Gascoigne comme prévu, hein. On l'a gascoignisé. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas donc à laisser un commentaire, un j'aime et puis à partager, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, je répondrai à tous les commentaires. Puis voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.
Et je vous dis donc à une prochaine fois. Ciao, ciao!